7h42, bon réveil sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Jean-Noël Barraud. Vous êtes donc ministre en charge de la transition numérique et donc en charge du dossier TikTok, le réseau social chinois qui cartonne dans le monde entier, on le sait. Environ 7 millions de Français hein, se connecteraient tous les jours sur TikTok, en particulier des ados. Et justement, TikTok a annoncé des mesures hier pour, en théorie, protéger ces jeunes utilisateurs. Une limite de 60 minutes quotidiennes pour les moins de 18 ans. Est-ce que ce matin, vous dites bravo à TikTok ou, ou c'est juste un coup de com parce que les ados sauront facilement contourner cette, cette limitation La limitation à, à une heure pour les moins de 18 ans euh, est une avancée qui était euh, attendue, mais elle est bienvenue. Maintenant, il faut que euh, la mobilisation s'accentue, la mobilisation des grandes plateformes pour mieux euh, protéger euh, nos enfants en ligne contre les effets... Euh, Délétère d'une forme d'addiction aux écrans qui est désormais de, de mieux en mieux documentée et dont les, les parents font l'expérience au, au quotidien. On a beaucoup de témoignages hein, depuis ce matin, justement, de parents inquiets, parfois démunis face à TikTok. Jean-Noël Bao, euh, une heure par jour sur TikTok, hein, c'est ce que promet la plateforme, ce serait la limite pour les, pour les jeunes, mais une heure par jour, c'est largement suffisant pour voir passer tout un tas de contenus assez inquiétants. Je vais vous dire la vérité, j'ai testé hier pour la première fois, j'ai téléchargé TikTok, j'y ai passé une demi-heure. Alors oui, il y a des gens qui dansent, qui chantent, c'est sympa, mais il y a aussi ces challenges, ces défis stupides, il y a des vidéos parfois violentes, il y a aussi le phénomène des influenceurs hein, qui font la promotion de produits parfois dangereux. Or, moi, je me souviens très bien, début janvier, de Bruno Le Maire qui avait annoncé qu'il comptait prendre des mesures justement pour encadrer les pratiques et les dérives de ces influenceurs. Où est-ce qu'on en est, parce que c'était il y a deux mois maintenant ces annonces, où est-ce qu'on en est aujourd'hui des mesures concrètes pour limiter les, les pratiques des influenceurs. Il y a en France à peu près 150 000 influenceurs avec des activités variées. Chacun a pu le, le constater, qui vont de la vulgarisation scientifique au divertissement, en passant par le bricolage, le jardinage, etc. C'est une activité nouvelle que certains ont, ont dévoyée volontairement ou involontairement en, en étant les instruments d'arnaque ou, oui. ou de publicité mensongère. On l'a vu encore récemment avec un médicament. C'est à raison pour laquelle... oui, que, que certains préconisent comme pour, pour maigrir tout simplement c'est d'abord dangereux pour la santé et puis ça crée des tensions des pénuries sur le marché pour ceux qui ont vraiment besoin de ce médicament Exactement c'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire il y a quelques mois a décidé de, de s'emparer du sujet avec trois objectifs protéger les consommateurs accompagner les influenceurs hein, qui ne sont pas tous euh, qui ne se livrent pas tous Exactement. à des arnaques et puis sanctionner les tricheurs il a lancé une consultation 20 000 personnes y ont participé, 80 000 contributions ont été recueillies. Ces contributions sont aujourd'hui traitées, elles font l'objet de discussions avec euh, les acteurs de ce secteur-là. Et fin mars, euh, des annonces seront faites. Donc, par fin mars, des mesures concrètes pour encadrer concrètes. les pratiques des influenceurs, mais pour protéger suffi... les consommateurs. Et ça ne suffira pas, en revanche, pour limiter le temps d'écran des jeunes. Là Vous nous dites TikTok, c'est bien, ça avance, mais il faut aller plus loin. Ça veut dire. Faire quoi Parce que j'ai l'impression que les parents, de leur côté, font de leur mieux. Ouais. Les réseaux comme TikTok font des annonces, mais un peu cosmétiques sur ces limitations. Que fait le gouvernement pour protéger les mineurs La première chose que nous faisons, c'est que dans quelques mois, la France sera le premier pays du monde à généraliser le contrôle parental sur tous les appareils qui sont vendus sur son sol, des smartphones aux consoles de jeux vidéo en passant par les tablettes. Concrètement, lorsque vous achèterez un, un smartphone euh, en France euh, pour votre enfant, le contrôle parental sera préinstallé. Il restreindra l'accès aux sites réservés. Aux adultes, je pense au site porno par exemple. Il vous permettra de contrôler le temps passé euh, sur l'écran de vos enfants et puis il vous permettra de filtrer aussi un certain nombre de sites. Et puis en parallèle, Mais nous allons. C'est une contrainte que vous allez imposer aux fabricants de smartphones Tout ça? à fait. Et ouais. c'est déjà le cas puisque c'est une loi qui a été votée il y a quelques années déjà. Mais qui n'est pas encore appliquée. Vous avez une date à partir de laquelle, si je vais acheter un téléphone dans une boutique, si je dis c'est pour mon ado, c'est par, euh, par définition préinstallé. Il y aura une date à partir de laquelle. Oui, nous attendons la validation définitive du décret d'application, du texte d'application de cette loi et à partir de là, euh, les, euh, les fabricants et les distributeurs euh, d'appareils devront se conformer. Et puis en parallèle, aujourd'hui même, à l'Assemblée nationale, euh, le, le, les députés euh, vont débattre d'un texte qui impose à ces réseaux sociaux de vérifier sérieusement l'âge de leurs utilisateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, TikTok a mis une limite d'âge de 13 ans mmh. sur sa plateforme. Or, on sait très bien qu'il y a encore beaucoup d'enfants de 8 à 12 ans. Qui sont inscrits sur TikTok et qui y passent un temps considérable. Et bien, avec cette proposition de loi que je soutiens, le, le TikTok et, et les autres réseaux euh, sociaux seront obligés non seulement de vérifier l'âge des utilisateurs, mais lorsque ces utilisateurs ont moins de 15 ans, de recueillir également le consentement des parents, l'accord des parents pour que les enfants puissent s'inscrire sur, sur un réseau comme TikTok. Et que risque le réseau s'il ne se conforme pas à cette loi Parce qu'on a l'impression que ce sont des lois qu'on peut voter en France. Mais que TikTok a un impact mondial, est-ce que vous avez vraiment le moyen de leur tordre le bras, de leur infliger des amendes, etc. Oui, il y a un régime de sanctions qui est prévu par, par la proposition de loi. Et par ailleurs. Et de combien, c'est quoi les amendes concrètement Que risque TikTok s'il ne se conforme pas à cette loi française C'est les débats qui vont en décider. Il y a des amendements qui ont été mmh. déposés sur les sanctions qui peuvent être imposées. Et qui seront soutenues par le gouvernement aujourd'hui. La proposition de loi est soutenue par le gouvernement. Et je veux dire mieux que ça, parce que l'année dernière au niveau européen parce que vous avez raison les, les géants du numérique c'est au niveau européen qu'il faut que nous leur imposions nos, nos règles et l'année dernière la france a imposé de nouvelles règles oui. qui sont en train d'entrer en vigueur comme par exemple l'interdiction de la publicité ciblée sur les mineurs. dans quelques mois dans tous les états membres de l'union européenne tous les réseaux sociaux auront l'interdiction euh, de euh, faire de la publicité ciblée sur les mineurs et si ils ne se conforment pas à cette interdiction ils, ils auront des pénalités pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Pour une entreprise comme TikTok, c'est à peu près 300 millions d'euros d'amende. Et il y a une autre inquiétude autour de TikTok, parce que TikTok est un réseau chinois et Pékin est soupçonner euh, d'aspirer les données des internautes du monde entier grâce à TikTok, notamment des données sensibles, on parle presque d'espionnage aux États-Unis. TikTok est désormais interdit au, au Congrès, ainsi que sur les téléphones des fonctionnaires. La Commission européenne, le Parlement européen, certains gouvernements aussi, euh, comme le gouvernement danois, ont interdit à leur personnel d'utiliser TikTok et en France. Est-ce que vous, en tant que ministre, vous me dites que j'ai pas TikTok Est-ce que d'autres, on voit que certains de vos collègues utilisent TikTok Je pense à Emmanuel Macron, un hein, compte TikTok, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin. Je pourrais citer Marlène Schiappa, Olivier Véran. Est-ce que ce n'est pas dangereux que les ministres aient TikTok sur leur téléphone D'abord, c'est bon de rappeler que en Europe, nous avons des règles et nous exigeons que les données des utilisateurs européens soient traitées en Europe. Il est avéré que Aujourd'hui, certaines données d'utilisateurs de, de TikTok peuvent être traitées, peuvent être manipulées à l'extérieur de l'Union européenne et c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle une enquête est ouverte par la CNIL irlandaise, le gendarme des données irlandais, sur interpellation euh, du gendarme des données français. C'est la raison pour laquelle hier au Sénat a commencé une mission, une commission d'enquête euh, sur TikTok et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons demandé à ce que les dirigeants de TikTok s'engagent à ce que courant 2023, les données des utilisateurs européens soient traitées en Europe. Je recevrai dans quelques jours les, les dirigeants de, de TikTok pour obtenir de leur part un calendrier précis de conformité à cela. Oui, mais en attendant, est-ce qu'en tant que ministre du, du numérique, vous recommandez à vos collègues, je ne sais pas, aux parlementaires, aux fonctionnaires, à tous ceux qui pourraient avoir des données sensibles sur leur téléphone, de désinstaller TikTok Moi, ce que je constate, c'est sur mon téléphone euh, professionnel de membre du gouvernement, il ne m'est pas possible d'installer. Euh, des réseaux sociaux. Euh, c'est le cas de, euh, les des autres membres euh, du gouvernement. Il y a ensuite pour les autres agents des ministères, dans certains ministères, euh, une interdiction générale sur, de tous les réseaux sociaux. Une réflexion est en cours au gouvernement pour étendre cette interdiction générale à d'autres téléphones agents. Mais ça ne se résume pas à TikTok et ça ne se résume pas euh, aux agents publics. Ma priorité, c'est de faire en sorte que les données des Européens, quelle que soit l'application et quelle que soit leur profession, soient bien traitées en Europe. Et donc on retient Jean-Noël Barraud. et donc vous comptez sur TikTok, on va le dire en 2023 pour faire des efforts comme ça sur la protection des données, sur la transparence en tout cas au niveau des données cette année et que vous soutiendrez donc hein, cette proposition de loi, c'est le groupe Horizon qui la dépose, mais le gouvernement elle, la soutiendra pour fixer une majorité numérique à 15 ans et on attend dans les mois qui viennent aussi ce contrôle parental par défaut, c'est ça, hein, sur tous les nouveaux appareils, sur tous les smartphones. Voilà vos, vos comment dire vos annonces concrètes ce matin pour protéger nos ados et les enfants plus globalement face aux réseaux sociaux et à TikTok qui est aujourd'hui dans le viseur. Merci beaucoup Jean-Noël Barreau, Merci à vous. ministre en charge du numérique, d'être venu ce matin en direct sur RMC. Il est 7h50.